Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on cuisine ensemble des bulots de la mer du Nord, un de mes coquillages préférés. Et avec ça, on va réaliser une pita. Allez, c'est parti. On commence par les bulots. Alors, regardez un petit peu. Ce sont des bulots, ce sont des monstres bulots. Hein. Regardez un peu la taille de ces bulots. Ça, c'est énorme. Les bulots, et puis on aura ici notre pain, hein, que la plupart d'entre vous connaissent. C'est le pain pita traditionnel. Donc, on va mixer ici quelques bulots. Je les ai pré-cuits, bien sûr. Ça prend une heure de cuisson. Hein. Et puis, on rajoute notre mayonnaise. On va y mettre un petit peu de jus de citron. Et un petit peu de piment. Alors là, je prends un piment frais doux. Alors moi, j'en mets parce que j'aime bien que ce soit relevé quand même, surtout que le pain, c'est un pain quand même assez fade. Hein. Donc, il faut que ce soit relevé dès le début. Hein. Et je viens aussi déjà mettre un petit peu de cerfeuil. Voilà. Et puis, on va prendre quelques bulots que l'on va couper, mais alors pas trop fin, parce que ce qu'on veut justement, c'est garder cette texture et cette mâche. Que c'est la raison pour laquelle on a pris des gros bulots. Après les bulots, les tomates. Et on rajoute les tomates au bulot. Maintenant, on va pouvoir assaisonner avec notre mayonnaise de bulot. On va venir rectifier un peu notre assaisonnement. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va mettre notre pain au four. Bienvenue à Middelkerke West End. Des amateurs de pêche, en voici, et plus d'un. Leur passion, c'est par tout temps de partir pêcher au filet en mer. Du mois d'avril à septembre, le club des Paroles Vissers de West End Middelkerke organise des démonstrations de pêche à la crevette, au filet, depuis le bord de mer. On peut s'y inscrire et participer à la précieuse cueillette de crevettes grises. Rendez-vous sur lelittoral.be. Le pain est bien chaud. On va l'ouvrir. Hop. Et puis on va venir le remplir. Et moi, j'aime encore des tranches de citron très très fines comme ça. À manger tout entière, juste pour assaisonner le plat. Et quelques petits morceaux de piment, tout petits aussi. Voilà la pita de la mer du Nord. Donc moi j'attends vos recettes avec des beaux bulots que vous nous envoyez bien sûr en nous rejoignant sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram bien sûr. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne dégustation et un bon appétit.